Good morning, everybody. I hope you can hear me. Hello, my name is Killian Clifford, and I am the moderator for today's session. Now, I'm just going to try and share my screen here with you. So welcome everybody to the Diaspora Summit here in Dublin, or virtually as we are all joining it. My name is Killian Clifford, and I am the host for today's session. Now, we have today, so I'm just going to stop sharing my screen because it's not working, but we have today a session on the diaspora philanthropy called Time, Talent, and Treasure. So philanthropy is often defined as private contributions for public good. And we see it most obviously with large entities such as, say, Bill and Melinda Gates Foundation or the Open Society Foundation. But philanthropy is more than just the provision of financial resources. It's about the three T's of time, talent, and treasure. And here, diasporas have a rich history in philanthropy, whether it might be through mentoring, which is time, skills transfer, which is talent, or indeed financial support, which is treasure. And through philanthropy, diasporas become important actors in sustainable development, whether it might be at home or abroad. So today's session will examine this role more closely and explore some of the key trends and models for success. And from these learnings, actionable takeaways for key stakeholders in the area of diaspora philanthropy will be provided. And the output from this session will feed into the output document for the summit, which is known as the Future Agenda document. And to facilitate that, we have an action-packed agenda. In a moment, I'll be handing over to the session host, Kingsley Aiken of the Networking Institute. Then we'll have a TED Talk video from Almaz Nagash of the African Diaspora Network. And we'll also hear from Sanjeev Jossipura of In Diaspora, followed by an interactive session where we invite insights from you, the attendees, based on questions we will be sharing. Some brief questions-réponses avec des membres de la diaspora. Si vous avez travaillé, si vous travaillez depuis Zoom au cours de ces deux dernières années, vous connaissez certainement très bien cette plateforme. La séance sera enregistrée, les microphones seront éteints, à l'exception, bien sûr, des orateurs, et nous demanderons aux orateurs de s'en tenir au temps prévu. La traduction, l'interprétation est également disponible par le biais de la petite planète que vous voyez en bas de votre écran. Vous avez une traduction disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Vous pouvez également utiliser la messagerie si vous souhaitez faire un commentaire ou poser une question sur l'une des interventions des orateurs. Vous avez également la possibilité de lever votre main et de poser une question directement pour rendre cette séance plus interactive. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à Kingsley Aiken. Kingsley, vous avez la parole. Merci beaucoup, Killian. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'OIM. Merci à toutes et tous d'avoir organisé cet événement. Cela fait maintenant 17 ans que je travaille dans le cadre d'organisation en charge de la philanthropie de la diaspora. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, mais j'ai également travaillé un petit peu partout dans le monde. Je travaillais dans des organisations à New York pour faire le bien et énormément de mes actions ont été couronnées de succès. Le deuxième événement qui a suivi le premier avait pour but de rembourser le premier. Je suis donc un fervent croyant, un fervent partisan du fait qu'il faut commencer petit de manière à se développer petit à petit. L'argent que nous avions débloqué n'a pas coûté aux contribuables ni au gouvernement. Killian a également donné la définition de la philanthropie, le temps, le trésor, le talent. Le fait de travailler pour le bien commun. J'aime beaucoup la définition qui consiste à planter des arbres sous une montagne sur laquelle nous ne cesserons pas. Je pense que ça représente très bien la philanthropie. Il s'agit comme d'une chaise à trois pieds. Il faut bien sûr compter sur le gouvernement, sur le contexte privé, mais également sur le secteur privé, mais aussi sur le secteur des ONG. Ce qui est particulièrement excitant dans cette nouvelle dynamique, je pense que nous allons entrer dans une nouvelle phase de la philanthropie de la diaspora. Et l'un des principaux catalyseurs de cette diaspora est ce que l'on appelle le transgénérationnel,
la richesse transgénérationnelle. La richesse de l'humanité n'est pas dans les mains de ceux qui ont 60 ans et plus, ou une grosse partie, pardon, de la richesse se trouve dans les mains des personnes qui ont âgé de plus de 60 ans et ils réfléchissent à que faire avec leur argent. Aux États-Unis, seuls 30 trillions de dollars vont être transférés par entre générations d'ici à 2050. Il y a donc un certain potentiel pour la diaspora. La diaspora a un rôle à jouer. Et lorsque l'on pense à cette richesse dans les mains des individus, on peut se poser la question de savoir comment cette richesse va être distribuée intergénérationnellement. Trois manières de distribuer. Premièrement, le transfert intergénérationnel aux enfants sous forme d'héritage. Ces personnes vont recevoir énormément d'argent, c'est l'histoire de la vie. Cet argent peut également être renvoyé vers le gouvernement par le biais de l'imposition ou donné sous forme de dons, sous forme d'actes philanthropiques, par acte de charité. On parle souvent des difficultés à réussir et de faire en sorte que la réussite ait un sens. On réfléchit souvent à la marque que nous avons laissée et cela se traduit souvent par un héritage. La diaspora a vraiment, une fois de plus, je répète, un rôle à jouer. Les structures sont également en cours de développement pour faciliter ce type de transfert de richesse. Les fondations de la communauté qui ont été lancées en 1914 à Cleveland aux États-Unis se sont étendus un petit peu partout dans le monde. Il existe maintenant plus de 2000 fondations communautaires dans 70 pays partout aux antipodes. Mais de nouvelles structures ont également vu le jour. On parle particulièrement de fonds conseillés par les donateurs dans le système bancaire. L'année dernière, aux États-Unis, la 501c3s ont défini la charité au niveau public. Le numéro 1 en termes de charité était la Banque de Philadelphie. Elles font des dons, ils injectent de l'argent dans le système bancaire pour pouvoir distribuer ensuite cet argent à des projets de charité, des œuvres de charité qui les apprécient tout particulièrement. Et tout cela est perçu souvent comme forme d'héritage dans le pays d'origine. Il y a 180 milliards d'actifs, 100 milliards d'actifs ont été versés à des œuvres caritatives l'année dernière. Et les Américains vont envoyer plus de 200 milliards de dollars outre-mer à des projets qui ont pour but de développer d'autres pays dans le monde, en dehors des États-Unis donc. La philanthropie est donc devenue un axe essentiel de ce que nous appelons, le capital de la diaspora, des ressources disponibles ci et là, dans les régions, dans les pays. C'est les flux de personnes, de connaissances et les flux d'argent. Cela fait donc énormément de temps que je travaille au sein des organisations, que je travaille en collaboration avec ces fonds et j'ai appris un certain nombre de leçons clés, des faits de vie, des événements empiriques au sujet de la diaspora. Premièrement, l'argent est l'oxygène de nos organisations et on ne peut lever des fonds qu'en s'adressant aux bonnes personnes. C'est une fois de plus quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure que nous avançons. Les personnes donnent également de l'argent aux personnes auxquelles elles font confiance, qu'elles aiment, qu'elles apprécient. Généralement, on fait des affaires avec les personnes que nous portons dans le cœur. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a donc une sorte de processus dans cette philanthropie de la diaspora. La philanthropie de la diaspora, la charité de la diaspora n'est pas un acquis. Elle doit être demandée, elle doit être obtenue. Et c'est en demandant que vous réussirez à obtenir des résultats. C'est la demande qui est votre outil le plus affûté, qui est votre outil le plus fort. La diaspora ne donnera pas si vous restez assis à votre bureau. Vous devez faire en sorte que les choses se produisent. De plus, il y a également autre chose que vous pouvez utiliser pour développer la diaspora et la philanthropie de la diaspora, le modèle des universités. Ce modèle des universités se décline sous deux aspects. Premièrement, la levée de fonds en s'adressant à énormément de personnes, de petites contributions, mais à énormément de personnes, de grandes quantités. Et vous pouvez également lever des grandes quantités de fonds en vous adressant à peu de personnes. Au niveau des universités, il y a ce que l'on appelle les levées de fonds de campagne. Ces levées de fonds ont pour but d'obtenir un certain montant d'argent pour une donnée, pour une période spécifique, en s'adressant à des personnes spécifiques. C'est un processus que nous utilisons et que j'ai utilisé au cours de ces 17 années dans lesquelles j'ai travaillé avec la diaspora. Nous avons utilisé pour ce faire la recherche. La recherche, c'est trouver les réponses aux questions de la diaspora. Qui sont-ils?
comment sont-ils et que font-ils. Et dans la séance de ce matin, nous avons énormément parlé de l'importance de la connaissance et des informations, des statistiques, des données. La recherche ne consiste donc pas simplement à se demander ce que nous pourrions faire, mais ce que nous voulons faire, ce que nous voudrions faire pour en apprendre davantage sur nos capacités, pour en apprendre davantage sur les capacités de la SPRA et sur le potentiel de celle-ci. On peut parfois avoir les capacités, mais pas d'intérêt pour le projet que vous développez au sein de votre diaspora dans votre pays. La deuxième phase de ce programme est une phase dite de cultivation, de maintien, le fait de continuer avec les mêmes personnes, de leur parler des projets que vous voulez soutenir. Et cela prend bien sûr du temps. Cela demande de l'énergie, de l'empathie, la mise en place de liens, d'une amitié. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Troisième phase, la phase de plaidoyer, le fait de demander. Comme je vous l'ai dit, votre demande est votre arme la plus forte. Vous devez vous tourner vers ces personnes. On assume souvent que les autres savent ce que nous attendons d'eux, mais il faut essayer d'améliorer notre communication, d'améliorer nos demandes et nos requêtes. Dernière phase, ce qu'on appelle en anglais le stewardship, le fait de s'assurer que l'on explique exactement ce que l'on veut, que l'on reconnaît également les personnes pour leur contribution, qu'on leur montre ce qui a été rendu possible grâce à leurs dons et s'assurer ainsi une sorte de prépaiement, une sorte d'avance sur le prochain cycle de levée de fonds. La manière dont on perçoit l'esprit de la diaspora, dont on perçoit les projets peuvent varier énormément. On a souvent tendance à considérer tout cela comme acquis, mais il ne faut pas le considérer comme acquis. Il y a également ce qu'on appelle cette levée de fonds de campagne, les études de faisabilité, les déclarations, le fait de mettre en place des pyramides de donateurs. Il y a donc un processus à poursuivre, un chemin à poursuivre pour obtenir des fonds que nous désirons. J'avais rencontré un président de l'université irlandais et cette personne avait rencontré auparavant un Américain. Ils avaient parlé de la diaspora irlandaise aux États-Unis, le fait qu'il avait toujours été bon en affaires, qu'il n'avait jamais été en Irlande, qu'il avait soutenu des projets en Irlande, qu'il continuait à donner et donner encore aux universités. Il avait donné près d'$1 milliard américains aux universités irlandaises, universités irlandaises qui n'auraient pas été là où elles en étaient si elles n'avaient pas reçu d'argent. Cet homme s'appelait Jarb Finney. Il est extrêmement connu aux États-Unis. Bill Gates et Warren Buffett parlent de John Finney comme de leur héros. Et ce qu'il a fait pour la philanthropie, pour la charité de la diaspora est remarquable. Il a également rencontré un philanthrope écossais qui avait affirmé que ceux qui ne donnaient pas n'avaient pas vécu leur vie pleinement. John Finney avait donc décidé de rendre et de distribuer tout son argent. C'est un individu extraordinaire qui est maintenant pensionné, qui vit à San Francisco. Il a donné tout son argent. Il vit dans un appartement loué et il est ravi du potentiel qu'il a créé grâce à l'ensemble de ses dons. Kylian, j'ai donc éculé le temps qui m'était imparti et je vais donner la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup d'avoir parlé de John Finney. Je n'en étais pas conscient, Sanjeev a déjà entendu parler de John Finney. Je pense que vous avez soulevé un certain nombre de questions très importantes, notamment la question de l'engagement dans la philanthropie. Vous savez qu'il faut demander des œuvres de charité. On ne parle pas simplement d'engagement. Il s'agit d'un cycle de vie, de quelque chose qui recommence encore et encore. Il faut s'engager avant, après et pendant. Et je pense que c'est l'un des messages principaux que nous retiendrons de l'ensemble de ce sommet mondial sur la diaspora, de la diaspora. Et que nous devons garder ce message pour continuer à aller de l'avant. Nous allons maintenant passer à une séance de TED Talk d'Almaz Negaj de Réseau africain de la diaspora. Et je vais demander à mes collègues de l'équipe technique de bien vouloir lancer cette vidéo. Hi.
Bonjour, je m'appelle Almaz Negash, je travaille pour le réseau africain de la diaspora. Nous sommes basés à Santa Clara, en Californie. Je vous parle donc depuis la Californie. À l'ensemble d'entre vous qui prenez la parole lors de ce sommet mondial de la diaspora, j'aurais aimé vous souhaiter tout le meilleur pour ce séminaire, pour établir des liens les uns avec les autres, apprendre et vous soutenir. Je suis également ravi de prendre la parole, d'avoir également reçu toute l'amitié de Kingsley, de l'OIM, de Martin, et je le remercie pour leur amitié et leur partenariat. J'aurais aimé partager avec vous un certain nombre d'informations au sujet du réseau africain de la diaspora, et ce, dans la mesure du possible, étant donné que je n'ai que 10 minutes. Tout a commencé sous forme d'une idée, comme un petit peu tout, et d'un besoin de renforcer les liens entre les diasporas africaines. Lorsque vous souhaitez soutenir des communautés à travers le monde, que ce soit dans des pays en Afrique ou à d'autres endroits, dans vos propres communautés, vous voulez informer la communauté de ce dont vous êtes en train de parler. On a donc commencé à travailler avec la diaspora africaine grâce à des entrepreneurs américains. Je viens d'Érythrée et je suis né et j'ai grandi à Asmara. Je suis ensuite allé aux Pays-Bas en 1984. J'ai quitté l'Érythrée à cause de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et j'ai été aux Pays-Bas après mes études secondaires. Je suis resté là plusieurs années. J'avais envie de finir mes études le plus rapidement possible et je voulais voyager aux États-Unis. Depuis 1987, je vis aux États-Unis et ma vie a été marquée d'énormément de bons moments, avec bien sûr un certain nombre de défis en tant qu'immigrant. Mais cela n'a pas empêché ma vie d'être une vie pleine de réussite. J'ai ressenti une certaine complexité lorsque je devais joindre les deux bouts. J'étais une étudiante étrangère et j'ai dû compter à cette époque sur la générosité d'autres personnes qui ne me ressemblaient pas. Je les considère maintenant comme de la famille qui ont rendu tout cela possible pour moi aux États-Unis. Ce type de confort est certainement ce qui a signé la création d'ADN. Les Africains et les amis d'Africains peuvent se rassembler et nous pouvons faire bouger les lignes. Nous pouvons co-créer, nous pouvons co-imaginer, co-concevoir. Les Africains qui vivent dans notre communauté ici aux États-Unis, dans les communautés dans lesquelles nous vivons, ce n'est pas l'un ou l'autre. Comme vous le savez, la diaspora est une extension, une prolongation des communautés dans lesquelles nous vivons. Pour faire le bien pour ma famille, je dois donc également faire le bien au sein de ma communauté. Sinon, nous ne pourrons pas renvoyer des fonds pour les pays. Nous ne pourrons pas non plus recevoir le soutien intellectuel, d'un soutien intellectuel qui est pourtant essentiel dans le cadre de la diaspora. Je suis également reconnaissante pour les opportunités qui m'ont été données. On m'a aidé, on m'a permis de poser des questions. Pourquoi la diaspora ne fonctionnait pas toujours de la meilleure manière? En 2010, nous avons donc lancé l'ADN, l'African Diaspora Network, et pas à pas, cela a pris 5 ans d'arriver à un niveau où nous pourrions attirer un petit peu l'attention. En 2016, on a reçu une bourse, un financement du département d'État des États-Unis et on a pu lancer le premier programme pour un symposium de l'ADN. Nous voulions tester, mettre à l'épreuve nos idées, mais également les idées de ceux qui nous soutenaient, les volontaires, les bénévoles, voir si nos idées étaient faisables, concrétisables. Nous voulions prouver que les Africains pouvaient travailler ensemble et aider les personnes restées au pays. Je peux vous le dire maintenant, tout cela est possible car l'ADN, au sein de l'ADN, le premier programme que nous avons lancé en 2016, fête maintenant son 7e anniversaire, à savoir le 7e symposium de l'ADN. Et nous avons également développé d'autres programmes, d'autres initiatives, 3 programmes et initiatives exactement. Cela n'aurait pas été possible sans financement. Nous avons également dû
identifier les besoins des entrepreneurs en Afrique qui ont besoin de soutien financier, de mentorat. Le mentorat est essentiel car rien n'est possible sans mentorat. Si vous pouvez compter sur quelqu'un, vous avez la possibilité de vous développer, de prospérer. Il y avait donc la question de la finance, la question du mentorat, la question de support intellectuel, de la formation. La formation était aussi très essentielle. Nous avons donc lancé Africa's Future. Nous avons également d'autres projets dans le pipeline que nous allons bientôt annoncer. Nous allons bientôt annoncer la nomination des entrepreneurs pour l'année 2022. En 2020, lorsque les personnes ont ressenti cette énergie que nous leur avions insufflée, dans le symposium que nous avons organisé à la Silicon Valley, nous nous sommes demandé si nous avions un programme similaire pour les Africains aux États-Unis. Cette question nous est venue d'une organisation, d'une fondation particulièrement puissante, la Silicon Community Foundation. Et on leur a dit à l'époque, bien sûr, nous sommes capables d'avancer si nous recevons les fonds nécessaires et nous pouvons accélérer le Black Leadership, les leadership de la communauté noire. Nous fournissons ainsi un accès à des bailleurs de fonds, à des formations pour les Africains, les Américains d'origine africaine, de manière à ce qu'ils entreprennent ici, aux États-Unis. Les Africains ne sont pas uniquement en Afrique. Il y a énormément d'Africains qui, comme moi, ont quitté leur maison il y a très longtemps. Nous parlons ici des personnes qui se sont déplacées il y a parfois plus de 400 ans en tant qu'esclaves aux États-Unis et qui ont tracé la voie pour nombre de nous en génération africaine. Je crois donc à notre responsabilité, aux besoins, aux devoirs que nous avons à rendre ce qui nous a été donné. Et ADN pourra utiliser ces plateformes, non seulement pour aider les Africains aux États-Unis, mais également pour jeter des ponts entre l'Afrique et la diaspora. Voilà donc l'un des derniers programmes que nous avons développé. Nous avons également, bien sûr, un certain nombre d'initiatives tout au long de l'année, des forums pour l'innovation. Nous l'avons organisé en Californie, mais également à Washington, à New York, en présentiel par le passé. Et on relancera, bien sûr, des forums tels que celui-là très bientôt. Après l'ensemble des difficultés que nous avons connues avec le Covid. Voilà donc le type de programme que nous avons lancé, que nous gérons pour le moment. Il y a également une autre initiative, c'est un projet pilote. Et nous sommes ravis de voir l'ensemble de ces activités se prolonger et continuer. Mais pourquoi y a-t-il nécessité, y a-t-il besoin de nous engager avec la diaspora? Pourquoi pas? Vous l'avez démontré avec ce SMD. Nous avons besoin de la diaspora. La diaspora irlandaise, juive, asiatique. Nous avons tout type de diaspora, la diaspora latino. Il y a donc une énorme dynamique de la diaspora qui a une connexion très profonde avec l'héritage, avec la culture de leur pays d'origine. Et nous devons pouvoir utiliser leur talent, leur temps ou leur argent. Cette connexion est donc crédible, essentielle. Mais en Afrique, avec 55 pays, cette diaspora est encore plus importante et complexe. À quoi ressemblerait cette diaspora si nous continuons à aller de l'avant, si nous continuons à changer la manière dont nous interagissons avec le continent? Nous pouvons ainsi essayer de poser toute une série d'hypothèses. Parmi ces hypothèses, nous pouvons également citer que les migrants quittent l'Afrique, mais uniquement en dehors de l'Afrique. Mais 60 à 70% de la migration, des migrations en Afrique, se font à l'intérieur du continent. Cette assumption, cette hypothèse n'est donc pas vraie. Il peut s'agir d'une migration pour différentes raisons, politiques ou autres, mais il y a une chose qui nous connecte les uns aux autres, encore, encore et encore. Nos amis, notre famille, notre héritage, notre culture. Nous devons rendre ce qui nous est donné. Nous devons rendre sous la forme de fonds envoyés à nos pays d'origine. Et je pense que c'est très important. Vous soutenez ainsi votre famille.
Tout cela va continuer, cela fait des générations que ça dure. La question que nous devons nous poser est donc toujours la suivante. Comment serait la situation si nous ne pouvions pas compter sur la diaspora? Comment serait la situation si on peut utiliser nos économies? 55 milliards de dollars est économisé par la diaspora aux États-Unis uniquement. Comment se présenteraient les choses si on pouvait prendre un petit peu de ces investissements, un petit peu de ces économies et investir? Investir dans des plateformes, une plateforme qui nous servirait de portefeuille, un portefeuille d'opportunités qui pourrait ensuite aider les communautés de retour en Afrique. Je pense que c'est sur cette idée que nous devons baser l'ensemble des discussions à l'avenir pour la diaspora. Nous pouvons essayer de réfléchir, commencer à réfléchir à la création d'un monde de financement pour nos familles, ce serait magnifique si c'était possible, mais également de manière plus générale. Un investissement dans les communautés où nos familles vivent. Peu importe le pays, l'argent que j'ai moi-même économisé, je pourrais l'investir pour faire la différence sur le continent. Je sais que vous n'en avez pas beaucoup entendu parler parce que il y a 2 semaines, j'étais à Dubaï pour participer à une réunion entre différentes parties prenantes de l'Europe et des États-Unis au sujet de ce que les Africains pouvaient faire. Ce type de plateformes de financement sont donc bel et bien disponibles. Vous pouvez bien sûr les utiliser selon leur convenance. Il y a un certain nombre de personnes qui parleront. Vendredi, je participerai moi-même également à un panel virtuel au sujet de ce que peut faire la diaspora africaine. Écoutez ce panel et voyez s'il y a une manière de travailler ensemble pour soutenir cette plateforme. Le réseau africain de la diaspora est ce qu'il est aujourd'hui grâce au partenariat que nous avons mis en place et que nous continuons de mettre en place. Ce partenariat nous permet de continuer de nous financer et de nous autonomiser. Et je suis particulièrement reconnaissante vis-à-vis de ces personnes qui croient en ce que nous faisons, à ce que nous pouvons continuer à faire, mon équipe, mais également l'ensemble des autres équipes qui collaborent avec nous. Et je remercie tout particulièrement Martin Russell qui m'a toujours soutenu. Merci beaucoup. Cette trajectoire continue, ce trajet continue. Bien sûr, nous n'en verrons jamais le bout. C'est un pas à la fois. Mais je suis ravi d'avoir l'occasion de collaborer avec l'OIM dans l'intérêt de l'ensemble des membres de la diaspora. Nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour nous rassembler les uns les autres. Car nous sommes toutes et tous dans la même famille en tant qu'êtres humains. On parle ici d'inclusion, mais également d'appartenance. Appartenance que j'ai ressentie aux États-Unis pour la personne que j'étais. Personne ne m'a demandé de changer et je ne voulais pas changer. Ce sentiment d'appartenance vous permet de créer. Et je suis ravi de le dire, nous avons un espace, mais nous avons encore énormément de pain sur la planche. Je suis cependant reconnaissante vis-à-vis de l'ensemble d'entre vous et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup et bonne journée. Merci tout le monde. Merci pour cette histoire. Quelle inspiration. Et puis le symposium des investissements. Et il y a la question de la formation, également l'idée de former, financer les entrepreneurs, etc. Et puis, il y a les questions des compétences, des aptitudes par rapport au pays d'origine, pays de destination, etc. Merci beaucoup. On est un peu à la traîne. On va donner la parole à Sanjeev d'Inde. Sanjeev Josipura. Merci beaucoup. Merci à l'OIM. Merci à Kingsley. Merci de m'inclure dans cet événement génial. Sanjeev Josipura, directeur exécutif Indian Diaspora. Je suis près de, je vous parle de Washington, D.C. Je vais vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce que ce sera pertinent par rapport à la philanthropie diaspora. La diaspora a été fondée en 2012 par un entrepreneur connu à San Francisco, Emma Randerswam. Et notre mission est d'inspirer et de positionner
la diaspora locale indienne. Alors, nous sommes une organisation membre pour les leaders de la diaspora, les leaders indiens de la diaspora de par le monde, dans différents pays, différentes professions. Et il y a trois thèmes, nos trois piliers en fait. Un des piliers, engagement non politique et civique, et puis ensuite entrepreneuriat et innovation, tertio, la philanthropie et l'impact social, les impacts sociaux. Et il y a également deux thèmes importants pour notre travail. Tout d'abord, en plus de se concentrer sur les gens qui sont membres, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont âgés dans 50, 60 ans, on reçoit beaucoup de conseils de leur part, mais on se concentre sur la diaspora les plus jeunes, c'est-à-dire que la deuxième génération de diaspora, celles qui ont quitté l'Inde, ces personnes, ces jeunes n'ont peut-être pas les mêmes liens, etc. Il est important de se concentrer sur la diaspora jeune également, en plus des membres qui sont plus anciens, disons. Deuxième thème, au niveau, enfin, ce qu'on appelle notre Global Connect Program, notre programme mondial connexion. Ce qui importe, c'est mondialiser, globaliser notre travail. Nous sommes très actifs au niveau des États-Unis, où on a été fondé, comme vous le savez, et également en Inde, où on a également un bureau à présent, mais qui plus est, nous sommes extrêmement actifs avec la diaspora leader, la diaspora indienne, et à ceux et celles qui sont connectés d'une manière ou d'une autre à la diaspora indienne. On est actif dans différents pays au Royaume-Uni, notamment au Canada, Singapour, et prochainement en Australie, et puis les Caraïbes, certaines parties d'Afrique et de l'Europe nous intéressent également. On parle de 32 millions de personnes de par le monde, la diaspora indienne. Elle est éparpillée de par le monde avec plus de concentration dans certains pays. Et typiquement, on souhaite se concentrer sur ces pays-là. Alors, une autre verticale que j'ai mentionnée, entrepreneuriat, innovation, on est là pour accompagner cela. Ce n'est pas purement une question, bien entendu, de création d'argent, etc. Non, il y a beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a le côté social qui est très important. Et bien entendu, l'idée est de faire du bien et il y a cette approche entrepreneuriat social. Et puis, l'engagement civique non politique. Aux États-Unis, on est mandaté comme étant une organisation qui ne prend pas des positions politiques, mais on encourage que la communauté encourage pour que la communauté indienne se fasse entendre, qu'on entende la voix de la communauté indienne. Nous sommes très actifs, nous coopérons avec d'autres communautés. La communauté d'Asie de l'Est, communauté juive, communauté afro-américaine, etc. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est lié au thème principal, la partie philanthropique. Ce que je viens de mentionner, il y a des liens, certes, à notre travail philanthropique. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Et vous comprendrez les liens, les ponts entre les différents aspects. En philanthropie, il y a deux points de vue. Premier point de vue, bon nombre de nos membres ont des liens avec l'Inde, comme vous l'aurez compris, et
L'idée est de rendre quelque chose au pays d'origine et on encourage cela activement, bien entendu. Et puis également, l'idée est de les aider au niveau de l'efficacité de cette aide. Et ensuite, l'idée est de donner là où on vit, c'est-à-dire que clairement, on est né en Inde, on a peut-être grandi en partie en Inde, on a des liens étroits avec son parti d'origine, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous devez tenir compte et considérer le pays où vous résidez, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs, Singapour, l'Australie, etc. Le pays où vous résidez depuis 20, 30, 40, voire 50 ans, où vous vous êtes fait un nom, vous avez, dans différents cas, vous avez gagné de l'argent. Et ainsi, il est très important également dans l'effort consenti pour positionner la diaspora indienne, il est important de donner également dans votre pays de résidence. Ça, c'est notre point de vue en ce qui concerne la philanthropie. Il faut donner là où on vit et donner au pays d'origine. Je sais que le temps imparti est limité, nous sommes un peu à la traîne, donc je vais me limiter aux 10 minutes qui me sont imparties. Et puis, on pourra répondre à certaines questions dans le cadre de la session questions-réponses. En ce qui concerne le fait de donner à l'Inde, comme je l'ai mentionné précédemment, nous sommes une organisation qui aide les individus et qui aide également... Enfin, il y a les personnes qui donnent 5, 10, 20 dollars. Le spectre est vaste. On aide, on facilite ces dons... en Inde. Et puis, nous sommes une organisation qui est connue pour l'IPA. Et en 2017, on a décidé de devenir indépendant parce que l'organisation a pris du poil de la bête et c'est une organisation indépendante. Et l'IPA est une organisation qui a des PDG, qui a des organisations sans but lucratif. Cette entité, cette organisation est basée aux États-Unis et les PDG sont membres d'IPA. Mensuellement, depuis 2017, en août pour être précis, on a demander au PDG, au CEO, de garder à l'esprit ou certains thèmes. On leur a demandé d'influencer. On essaye de voir comment ces organisations peuvent établir des synergies, voire asseoir des synergies, donc en amont et en aval. On parle également de la manière de s'assurer que les efforts de collecte de fonds aux États-Unis et que les grands événements, qu'il n'y ait pas de doublons, que les événements soient organisés à différents moments, dans différentes villes, etc. On essaye d'éviter les doublons. On a vraiment cette fonction et il y a des choses claires à faire. Et puis, quand il y a des dizaines d'organisations caritatives qui se concentrent sur différents thèmes basés aux États-Unis, mais qui se concentrent sur l'Inde, et il y a donc tout ce travail philanthropique, ces types de coopération n'avaient pas lieu avant qu'on mette sur place ce groupe IPA en 2017. Là, on a organisé cette coordination. Et puis... ainsi, on a pu coopérer efficacement depuis 2017 dans le cadre de l'IPA. Ça, c'est un exemple de l'IPA. Un autre exemple, ce qu'on appelle le Chalo Deep Program. En indien, cela signifie « allons-y, faisons-le, agissons ». Ainsi, la traduction, c'est « allons-y,
gagnons. L'idée est de récolter des fonds, qu'on redistribuera en Inde à des organisations qu'on connaît bien. Et je suis ravi de pouvoir vous dire que pendant la COVID, ces deux dernières années, on a pu récolter plus de 5 millions de dollars, pas uniquement pour l'Inde, à hauteur de 3,5 millions pour l'Inde et puis 1,5 million pour les États-Unis. Ainsi, c'est un exemple pour illustrer mon programme. Ainsi, et pour terminer, la partie Give Where You Live, donner où vous habitez. Une des initiatives, et soit dit en passant, en ce qui concerne la partie de donner à l'Inde, il y a des liens avec notre local network, connexion locale. Et puis également, il y a la partie de donner quand vous êtes jeune. Si vous n'êtes pas à même de donner, de faire des dons à hauteur de millions de dollars, eh bien, donnez à hauteur de dizaines de dollars. Et puis, il y a des doublons un petit peu partout. Et en ce qui concerne Give Where You Live, donnez où vous vivez. Et là, c'est lié au travail d'engagement civique. C'est clair. Ce qui est clair pour les gens, pas uniquement aux États-Unis, c'est que la révolution technologique a des avantages incalculables, mais néanmoins, certaines personnes se sont retrouvées à la traîne. Et ces personnes à la traîne doivent pouvoir profiter de possibilités de reskilling pour pouvoir s'occuper à leur tour des générations à venir. Et puis, vous savez, c'est important de se concentrer sur certaines communautés dans le pays et certaines régions. On est sur le point de mettre sur pied un programme de formation, de reskilling. L'idée est d'impliquer tout un chacun dans des efforts de formation, de reformation, de reskilling, comme on dit, pour pouvoir inclure ces personnes laissées un petit peu à l'abandon, un peu à la traîne. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai utilisé les 10 minutes qui m'étaient imparties. Je vous rends à présent la parole. Merci beaucoup, Sanjeev. Très intéressant. Merci de nous avoir expliqué cela, la diaspora indienne. C'était lié également à l'autre intervention. Vous nous avez parlé du fait de donner où on vit, give where you live. Cette notion est importante. Donc, ça n'est pas uniquement lié au pays d'origine, mais également lié au pays de résidence. Il y a des liens entre les différentes interventions. Je vais vous présenter la partie suivante. L'idée étant d'avoir des interactions. On va pouvoir partager nos commentaires. On va pouvoir poser des questions également. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. On a ici, et ce que je souhaite faire, c'est partager avec vous des questions liées au document, la technologie. Je me penche sur le côté technique. Il y a 3 questions principales. J'espère que vous arrivez à voir ces questions. Première question, que pourriez-vous recommander au niveau politique justement pour encourager la philanthropie de la diaspora? Deuxième question, que pourriez-vous recommander en matière de programme pour permettre et encourager cette philanthropie de la diaspora? Troisième question, qui sont les acteurs clés en matière de partenariat avec les gouvernements pour permettre et faciliter cette philanthropie de la diaspora? Cette dernière question, je vais peut-être l'adresser à Kinsley ou pour vous,
Et par rapport à votre expérience, Kingsley, qui sont les acteurs principaux, les parties prenantes également? Kingsley, êtes-vous avec nous? Merci pour ce excellente question qui mène. M'entendez-vous à présent? Il y a un écho, dit Kylian. Est-ce que oui, là on vous entend. C'est une excellente question qui est liée à une autre question. Quel est le rôle du gouvernement en ce qui concerne la philanthropie diaspora? Et vous savez, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un bien public, la philanthropie. Le rôle qui incombe au gouvernement est d'être un facilitateur plutôt que un acteur au niveau de la mise en œuvre. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent créer les conditions capitalistes. Les conditions peuvent former, etc., toutes les organisations diaspora. Il y a de nombreuses organisations privées. Leur objectif numéro un pour survivre est de récolter des fonds, tout simplement pour rester en vie. Les gouvernements jouent un rôle prépondérant. On crée ainsi les conditions, l'environnement, et puis également... Le gouvernement irlandais, par exemple, a une aile de soutien en dehors de l'Irlande et de par le monde. Et c'est important de jouer ces rôles-là. Et puis, parfois, je me dis que ce n'est peut-être pas toujours bien que le gouvernement soit trop impliqué. C'est un exercice d'équilibrage, quelque part, atteindre le bon point d'équilibre. Et puis... Le secteur privé, l'idée est d'encourager le FDI, etc. Je ne sais pas quelles sont les leçons tirées. Ce qu'on a, on a ces fonds directs d'investissement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important, c'est de faire quelque chose quelque part pour l'Irlande, par exemple. Et là, on parle de fonds directs d'investissement. Et puis, vous savez, ce qui importe, par exemple, c'est prodiguer un conseil, etc. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être faites. Et ça fait partie du cadre de prise de décision. Et puis, parfois, c'est un petit quelque chose, une petite information qui fait réussir. Vous savez, on appelait cela les rockstars, etc. Et puis, faut voir ce qui peut être fait en matière de relations, etc. C'est pas toujours facile tout cela. Ça prend du temps, tout ce travail philanthropique. Et puis, Sanjeev, je reviens vers vous. La question en haut. Au niveau politique, le fait d'essayer d'engager le niveau politique, que recommanderiez-vous au niveau politique par rapport à votre expérience? Vous savez, dit Sanjeev, j'aimerais peut-être poursuivre sur ce que Kingsley a dit. Kingsley a raison quand il dit que les gouvernements doivent agir comme facilitateurs, pas comme ne pas s'occuper trop de la phase de mise en œuvre, mais plutôt faciliter le processus. Il ne faut pas que les gouvernements dirigent. Je suis pleinement d'accord avec cela. Et je pense qu'on peut même aller un pas plus loin, c'est-à-dire... Il y a différentes entités dans différents pays et des moments où les gouvernements, pour différentes raisons, des raisons multiples, c'est parfois lié aux éléments culturels, et puis
parfois, les gouvernements découragent la philanthropie au niveau des diasporas. Et c'est une fonction. Et quelque part, on en revient au thème de la session. C'est ce que Kingsley a dit d'entrée de jeu. Il a parlé de la confiance et d'asseoir cette confiance. Une fois que cette confiance est établie entre les acteurs philanthropiques et les gouvernements des pays concernés par cette philanthropie, beaucoup plus peut être fait. Cela accroît la marge de manœuvre philanthropique. Exemple, ici aux États-Unis, la philanthropie est facilitée également au Royaume-Uni, au Canada. Et puis, il y a d'autres pays où c'est très difficile pour une organisation comme la nôtre d'être engagée pleinement dans la philanthropie, voire de faciliter la philanthropie. Ça dépend, ça varie en fonction des pays. Et puis, c'est important de pouvoir influencer, bien entendu, pour la diaspora. Merci, Sanjeev. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public souhaite participer. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Et bien entendu, nous vous donnerons la parole. Il y a une troisième question concernant les programmes que l'on pourrait développer pour justement encourager cette philanthropie de la diaspora. Sanjeev, je reviens vers vous. On parle du fait de faciliter, mais pas de, de mettre en œuvre, le gouvernement. Alors, pour vous, des programmes à multiparties prenantes, est-ce que c'est ça la solution? Quel est le rôle qui incombe aux différentes parties prenantes, aux différents acteurs dans ce cadre-ci? Excellente question. On pose trois excellentes questions ici. Je pense que, en ce qui concerne l'aspect programme, il y a pour moi deux parties. Première partie, je vais prendre l'exemple de l'Inde. De plus en plus, depuis 5-6 ans, dirais-je, je constate que l'Inde, au niveau gouvernemental, est devenue plus sophistiquée concernant le type d'intervention philanthropique nécessaire dans le pays. Et le gouvernement n'est pas à même d'honorer ou de faire quelque chose en la matière, ou ne souhaite pas ou ne peut pas agir. Et il faut s'assurer que le gouvernement soit au fait quant aux priorités. Et les priorités peuvent diverger en fonction des parties du pays. Vous savez, l'Inde n'est qu'un exemple, cela peut s'appliquer à d'autres pays. Et il y a la question de la géographie, les différentes régions, les besoins divergent, etc. Et puis, il faut voir si cette liste est établie au niveau du gouvernement central ou si elle est élaborée au niveau de l'État. Pour être plus proche du terrain, il est important d'avoir cette attitude de coopération et d'inviter des partenaires. C'est également très important. Ça, c'est au niveau gouvernemental. À présent, le côté mise en œuvre des organisations qui mettent en œuvre en pratique. Exemple, des membres IPA, pardon. Et pour ces organisations, il est important d'être fin prêt et d'arriver en tant que groupe. Et il faut voir ce qui peut être fait. Il est important de considérer les besoins philanthropiques avec une approche holistique, voir ce qui se passe au niveau de la chaîne de valeur en amont et en aval. Exemple, il y a des organisations qui fournissent des repas aux enfants qui ont faim. C'est fantastique. Imaginez, il y a des besoins énormes. Et puis, il y a des organisations
qui aide à construire des écoles pour les enfants défavorisés, pour que les enfants puissent être scolarisés. Besoin de base. Ne serait-il pas formidable si un gouvernement central ou fédéral identifiait la malnutrition infantile comme une priorité. Et puis l'éducation de base, autre priorité. Et puis, à ce moment-là, l'idée serait de coopérer, d'être prêt. Et puis là, on pourrait voir ce qui pourrait être fait en tant que groupe. Je pense que c'est important pour l'organisation qui fournit ces services philanthropiques. Il est important d'être bien organisé, d'établir des priorités, etc. Oui, très important. Est-ce que vous voulez intervenir, Kingsley? Oui, je voulais reprendre un certain nombre de points que vient de mentionner Sanjeev. Je suis d'accord avec ce qu'il disait. Lorsque Chuck est venu en Irlande, il nous a dit « je veux investir telle et telle quantité, mais nous avons besoin que vous et le gouvernement nous aidiez ». Il y a donc cette idée de correspondance et ce schéma entre les associations également des États-Unis et le Mexique. Si quelqu'un investit $50 et que le gouvernement ou l'État fédéral continue et soutient, on a un ratio de 3-1. C'est une relation donc très intéressante en termes d'investissement. Il y a des dizaines de milliers d'organisations de la diaspora à travers le monde. Et il faut laisser fleurir l'ensemble de ces associations, voir ce qu'elles vont donner. Certaines vont échouer, d'autres vont être couronnées de succès. J'ai beaucoup travaillé avec de nombreuses organisations et lorsque je me retourne sur toutes ces organisations, je me pose la question de savoir ce qui permet à une association de fonctionner. Trois choses. Premièrement, la raison d'être. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on essaie de faire? Deuxièmement, la circonscription. Il faut pouvoir compter sur une communauté qui soutient les organisations et soutient les activités que vous faites, que vous mettez en place. Troisième chose, et je pense que c'est le point le plus important, le leadership. Le leadership qui est un aspect très important. Sanjeev nous a raconté l'histoire au sujet de la manière dont son organisation a vu le jour, qui a commencé, qui a émergé d'une simple idée. Et il a attiré des personnes autour de cette idée. Et les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, le Fonds irlandais, ont également des exemples qui vont dans ce sens. Tony O'Reilly, qui est le directeur de l'O'Reilly's Food Company, Don Hurley, qui a également travaillé dans le secteur de la métallurgie. Ils avaient également une idée, mais c'est ce leadership qui est très important. Les gouvernements peuvent donc jouer un rôle, pour le renforcement des capacités des organisations et des associations, mais ils peuvent également identifier des personnes qui ont un vrai leadership. Voilà pourquoi lorsque Sanjeev parlait de la prochaine génération, c'est très important. Très important parce que très souvent, les parents de ces enfants qui ont été impliqués à leur plus jeune âge sont ravis du fait que leurs enfants vont s'engager pour leur pays, même si eux n'y sont pas nés. Et c'est donc une double manière de faire fonctionner, de faire en sorte qu'une association puisse prospérer. Une autre question qui rebondit sur celle-là. Est-ce que le niveau d'engagement de la communauté, des communautés de l'aspora, s'affaiblit au fur et à mesure des générations? Les diasporas, en tant que membre de l'aspora, on a parfois un lien particulièrement fort avec son pays. Mais mes enfants auront la moitié de mon engagement, mes petits-enfants le quart de mon engagement si on fonctionne de manière très proportionnelle. Y a-t-il donc un affaiblissement, un amenuisement du lien au pays au fur et à mesure que l'on passe les générations? Que pouvons-nous faire pour maintenir l'implication, l'engagement de la diaspora, un engagement extrêmement important pour faire en sorte que la diaspora fonctionne? Est-ce que vous voulez commencer, Kingsley? Je sais que vous avez énormément à dire à ce sujet. Je trouve la question extraordinaire. Certaines des personnes les plus enthousiastes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'interagir d'Irlande, de la diaspora irlandaise, sont parfois les petits arrières, petits enfants de personnes irlandaises. Le fait que certaines générations soient passées, soient défilées, ne signifie pas forcément que le lien avec le pays d'origine est lui aussi diminué. On sait que
on peut parfois être ci et là. On peut se trouver à San Diego, San Francisco. On est californien, mais on peut parfois être californien et être engagé en Pologne, en Écosse. Ça n'a plus rien à voir et je trouve ça extrêmement fascinant. Autre chose aussi importante que je n'ai pas eu l'occasion de mentionner jusque maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une diaspora indienne irlandaise. Il y en a des centaines et des centaines pour chacune de ces diasporas, avec différents besoins, avec différentes envies. Il faut que nous le comprenions. Il ne s'agit pas d'un seul bloc de la diaspora par pays. Il faut que nous en ayons conscience. Il y a différents intérêts, différents désirs. Il faut être capable de satisfaire les besoins de chacun des éléments de ces diasporas plutôt que de mettre tout cela sous le tapis et de mettre tout cela sous une seule et même fêtière. La diaspora, ce n'est pas un pays, mais on parle ici d'endroits. Je travaille notamment avec la communauté basque. Ça fait quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler avec la ville de Copenhague et Sanjay, je pense que vous l'avez également constaté. Oui, je pense que vous avez totalement raison, Kingsley. Vous parlez de la variété et ça s'applique très bien au cas indien. Il y a différents états, différentes cuisines, différentes habitudes culinaires, différentes langues, différentes cultures. Et on ne peut pas parler unique d'une seule et même diaspora indienne. Le fait que l'Inde existe en tant que telle est un miracle de l'histoire lorsque l'on regarde la diversité qu'il existe entre les différents états. La diaspora indienne n'existe donc pas à proprement parler. Il y a l'origine et la question de la destination. La diaspora indienne de Chicago ne sera pas celle de Détroit. Leurs besoins sont différents et ils veulent faire des choses totalement différentes. Vous avez donc totalement raison à cet égard. Concernant la question de Kellyanne au sujet de la prochaine génération, je pense réellement qu'avec le temps, j'ai pu le constater, du moins dans mon expérience, lorsque je regarde les autres diasporas ici aux États-Unis, lorsque je regarde par exemple la diaspora chinoise, la diaspora israélienne. En fonction du pays dont vous venez, au fur et à mesure, avec le temps, votre intérêt et vos liens avec votre pays d'origine, avec vos parents, avec le pays d'origine de vos parents ou de vos grands-parents, varient, changent en nature. Les Israéliens ont un lien. La diaspora israélienne en Amérique a un lien différent avec le temps que la diaspora irlandaise, allemande, chinoise ou autre. C'est donc une question extrêmement complexe. Mais je pense que de manière générale, surtout lorsque l'on passe 3-4 générations, les liens entre sa propre personne et son pays d'origine ont tendance à s'amenuiser. Deux raisons à cela, selon moi. Premièrement, il est très important de s'assurer que, même si vous parliez de 4 générations, s'assurer que des liens ténus, des petits liens soient maintenus, car ça permet de se contextualiser, de savoir que l'on est ainsi un meilleur citoyen. Même si vous êtes de 3e, 4e, 5e génération, que vous êtes à Washington, que vous êtes à San Francisco et que vous êtes indien, il faut connaître la culture, les héritages, les traditions qui font de vous ce que vous êtes. Ça vous permet également, en tant que personne, à être plus productif, à être une meilleure personne, à être plus efficace dans ce que vous faites. Première chose, il est donc très important, et je le pense ici, c'est une opinion personnelle, très important que la diaspora maintienne un lien avec le pays d'origine. C'est ce que nous faisons dans le cadre du programme, même si nous savons qu'il y a des variétés entre les différentes diasporas. Il faut ensuite, deuxièmement, changer de focus, pour le dire ainsi. Il faut faire en sorte que la diaspora indienne se sente une seule et même diaspora. On ne parle pas de 5e, 6e génération de la diaspora, mais parler plutôt de l'endroit d'où l'on vient. Essayer de créer ce sentiment d'unité, que ce soit la 4e, 5e, 6e génération d'Indiens, d'Irlandais, de Singapour, de Singapouriens, il faut que ces personnes se rendent compte qu'ils font toutes ces mêmes parties d'une seule et même diaspora venant d'un pays. Sanjeev, je pense qu'il existe une indignité mondiale. Vous avez parlé du Square Garden, du Square Madison, et d'autres endroits encore. Je pense qu'il y a vraiment
une notion globale des États. Et je pense même que si ces lignes ont été dessinées, je pense qu'il y a bel et bien une seule identité indienne. Bien sûr, tout cela a appartenu à l'époque militaire de l'époque et on sait que l'on doit faire avec l'histoire. Mais il y a un empire massif d'influence qui vient de l'Inde. Et cette question des soft power dont vous étiez en train de parler est particulièrement fascinante. Oui, on parle ici de la diplomatie, de la politique de diplomatie. Nous avons une question de Delali Badassu. Merci beaucoup, Delali Badassu. Les gouvernements peuvent envisager une manière de lever des ressources en respectant le principe de l'appréciation. Est-ce que ce n'est pas le fait de reprendre l'argent, mais c'est plutôt avoir la possibilité d'être directement impliqué? Et je pense que cela fait directement référence à votre dernière présentation, Kingsley, sur la nature du don et sur la nature de l'engagement et de l'implication. C'est important, très important, d'être impliqué après l'acte de charité, si l'on peut le dire ainsi, même si on l'a appliqué également avant. Est-ce que vous souhaitiez peut-être répondre à ce commentaire? Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais comment les gouvernements peuvent-ils, ou plutôt quel est le rôle des gouvernements après l'acte de charité? Oui. Merci beaucoup pour ce commentaire. Selon moi, la philanthropie est un portail. Un portail par le biais duquel les personnes entrent en relation avec leur propre pays et ils ont ensuite la possibilité de s'impliquer à d'autres niveaux. La philanthropie par le biais d'une bourse, par le biais d'un don pour lutter contre le cancer, vous avez en fait la possibilité de connaître votre communauté. Vous vous rendez compte ensuite qu'il y a des business centers, qu'il y a des infrastructures sportives et autres et vous entamez une relation à plusieurs niveaux, une multiplicité de niveaux avec les personnes qui se trouvent dans votre pays d'origine. Et il est vraiment possible, grâce à la philanthropie, de booster tout type de relations. Sanjeev, je pense, on a parlé, la colle de tout cela, le ciment de ce genre de relations, c'est le sentiment d'appartenance. Si on écoute ce que les personnes disent, on n'entend pas simplement l'idée de l'inclusion, mais de l'inclusion, de la diversité et de l'appartenance. Et l'appartenance est essentielle. C'est un concept fascinant. Les personnes peuvent appartenir, les personnes peuvent lire le quotidien de manière presque instantanée, peuvent s'enregistrer de manière presque instantanée sur des informations qui viennent un petit peu partout dans le monde, de Los Angeles ou de l'Irlande. On redéfinit en fait cette notion même de l'État contre d'autres personnes. Sanjeev, qu'en pensez-vous? Oui, Kingsley, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Je suis totalement d'accord, je l'ai pu le constater moi-même. Les bailleurs de fonds philanthropiques sont impliqués avec leur pays d'origine, avec les gouvernements, et il faut ensuite mettre en place une implication dans d'autres secteurs, celui de l'éducation, celui de la science, de la technologie, par exemple. La philanthropie est une porte d'entrée pour mettre en place d'autres relations à d'autres niveaux. C'est un concept que j'ai pu constater au cours de mes différentes activités, de mes différentes initiatives. J'ai également vu le cas inverse et je pense que Kingsley a également pu constater, étant donné sa longue expérience dans les questions de diaspora, et ce, partout à travers le monde. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que les organisations philanthropiques doivent être particulièrement conscientes de ce qui se passe dans le domaine économique et dans le domaine financier. J'ai pu le constater à plusieurs reprises, surtout dans le cadre de la diaspora indienne. De manière initiale, la relation commence par une transaction commerciale, par une aventure entrepreneuriale, par un investissement, par du capital, par une fusion, une M&A transfrontalière. Et cela, avec le temps, mène à une meilleure compréhension de la diaspora qui réalise cet investissement, de différentes problématiques dans le secteur, dans le pays où cette diaspora est impliquée. Il ne nous reste que quelques minutes à peine. Je voudrais juste, désolé, vous interrompre de manière à savoir si les personnes du public souhaitent poser des questions. Nous, la TAM du Nigeria,
Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, je voulais juste faire un rapide commentaire, si vous me permettez. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les orateurs précédents. Le gouvernement devrait jouer le rôle de facilitateur pour l'engagement et l'implication de la diaspora en termes de philanthropie. Je pense que le gouvernement peut mettre en place une plateforme crédible pour entamer ces discussions. Au Nigeria, nous avons mis en place un sommet d'investissement de la diaspora afin de mettre sur pied une plateforme d'investissement de la diaspora. Elle regroupe les partenaires financiers, les organes de réglementation, et je pense qu'une plateforme pourrait créer au niveau international de manière à stimuler l'implication de la diaspora dans les actes de philanthropie. Voilà ce que je souhaite ajouter. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout à fait pertinent avec ce qui a été dit par nos différents orateurs. Paddy du Zambie, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci beaucoup Kylian, Sanjeev et Kingsley, merci beaucoup également d'avoir partagé vos réflexions. J'aurais juste aimé prendre la parole au sujet de l'un des ingrédients selon moi les plus importants dans l'engagement de la diaspora, hormis également l'ensemble des informations qui ont été partagées ici et dans la messagerie. Selon moi, ce qui ressort, c'est l'idée du long terme. Lorsque les gouvernements ou lorsque les organisations locales qui interagissent avec la diaspora dans le pays d'origine, il faut également tenir compte du fait que la diaspora est là pour le long terme. La diaspora, ce n'est pas une agence gouvernementale, il n'y a pas de date butoir. La diaspora est là pour le long terme, est là pour durer. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion très forte, identitaire, culturelle avec le pays d'origine. Mais je pense qu'on peut également parler de cette même relation avec les diasporas qui ont établi leur domicile, leur maison dans le pays de destination. Cette vision du long terme est donc essentielle dans l'ensemble de nos réflexions. Il faut ensuite réfléchir à la manière dont les gouvernements vont s'engager, s'impliquer vis-à-vis de la diaspora. Ils ne doivent pas simplement être là financièrement, ils doivent également s'intéresser réellement à cette diaspora. Ils doivent gérer également les crises humanitaires. Ils doivent gérer l'ensemble de ces aspects sur le long terme. Il faut donc qu'ils soit dans le siège, qu'ils tiennent les rênes en tant que partenaire, en tant que pilote. Et nous avons déjà pu le constater, les agences individuelles, lorsque la diaspora a des agences individuelles, on voit qu'il y a toujours une organisation, une certaine structure au niveau mondial. Dernier élément que j'aurais vraiment aimé partager avec vous, Kylian, ce que vous avez dit au sujet de l'engagement intergénérationnel, je suis de la diaspora basée ici au Kosovo et j'ai également étudié au Royaume-Uni. Ma jeune sœur qui a 10 ans de moins a une relation totalement différente vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la Zambie par rapport à moi. J'ai énormément souffert du fait de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Elle en souffre beaucoup moins. Et je pense qu'elle souffrirait si elle était ici à Pristina et qu'elle n'était pas à Londres. Bon, son engagement, son implication, et je donne généralement cet exemple de deux sorts, son implication est totalement différent de mon engagement, de l'engagement de ma mère et d'autres encore venant de Zambie. Je pense donc que le fait de mettre en place une stratégie de la diaspora particulièrement ciblée avec cette nouvelle génération sera extrêmement critique, sinon nous risquons de perdre ce lien au pays d'origine. Et ce, bien sûr, en fonction du pays de destination. Merci beaucoup une fois de plus de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole. Les expériences de la diaspora varient selon les personnes, bien sûr. Une dernière intervention, Timur, très rapidement. Et nous conclurons ensuite. Timur. Timur, votre micro est éteint. Never mind. Okay, so guys, ça ne fonctionne pas. Nous reste de toute façon 3 minutes. Je pense que cette séance a été particulièrement fructueuse. J'étais ravi de pouvoir donner la parole à quelques personnes du public. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de la philanthropie au sein de la diaspora. Nous avons parlé du cycle de vie, du don, du rôle des gouvernements, du rôle pivot des gouvernements en tant que facilitateur plutôt qu'exécuteur, que partenaire plutôt que partie prenante plutôt que d'organisateur. Nous avons également entendu aujourd'hui
de la part de Sanji, de la part d'Alma, parler de la nature même de la philanthropie. La philanthropie n'est pas simplement un acte à poser dans le pays d'origine, mais également dans le pays de destination. Et c'est très important de s'en rappeler. Nous avons également entendu Paddy parler de l'importance du long terme. La diaspora est là pour durer. Et ce n'est pas comme la politique qui suit l'évolution des différentes élections et des différents gouvernements. J'aurais juste aimé vous donner la parole en 2 minutes pour partager des dernières pensées. Je ne l'avais pas anticipé, mais ce que j'aurais aimé dire, c'est que ce qui était magnifique dans le cadre de cette séance, j'ai écouté Sanjeev, Paddy et les autres encore, il ne s'agit pas d'une industrie concurrentielle. Lorsque vous y réfléchissez, des fonds vont être versés en Finlande, au Pérou, en Inde. Ces personnes qui versent des fonds ne vont pas forcément décider de ne pas en verser ailleurs. On doit donc collaborer, contribuer les uns avec les autres, et ce dans la plus grande manière possible. Je suis membre fondateur d'une organisation qui s'appelle AISE, Copy and Steal Everything. Donc, copier et voler tout ce qui est possible de copier et coller et voler. Vous vous intéressez à un programme tel que Kaglis en Israël où on ramène les jeunes dans le pays, et je pense que c'est une manière extrêmement puissante de favoriser l'engagement et l'implication de la diaspora. Que vous regardez n'importe quel pays, vous vous rendez compte qu'il y a des programmes tels que Tech Lead. En Irlande, nous avons eu un programme The Gathering. Nous avons demandé à la diaspora irlandaise de revenir 100 ans plus tard et 5000 événements ont été organisés. Tout pays peut mettre en place des programmes tels que celui-là. L'Écosse a mis en place un programme tel que celui-là. Nous l'avons en fait copié en Irlande. Nous avons copié et volé le programme de l'Écosse. Il faut donc s'écouter les uns les autres, écouter ce que nous avons partagé. Je vais reprendre avec moi quelques idées et réfléchir. La contribution de Paddy était particulièrement brillante. Merci beaucoup d'être intervenu. Je pense que nous avons donc énormément encore à apprendre, Kylian. Nous allons réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas tout à fait. Il y a un document que j'ai écrit il y a de nombreuses années qui parfois ne... Vraiment devoir conclure, il est 13h, 12h en Irlande. Merci beaucoup Sanjeev également pour l'intervention. Les feedbacks seront repris dans le document du SMD. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir pris la parole sur la question de la philanthropie. On se revoit lors de la prochaine séance. Merci beaucoup Kylian, merci Kingsley et à la prochaine. Au revoir.